Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la 15ème vidéo sur Uncharted 3, l'illusion de Drake. Dans la dernière vidéo, eh bien, on était sur le bateau du chef des pirates, hein. Nate était toujours à la recherche de Sully qui apparemment avait été capturé par les pirates justement. Et bah, finalement il s'est avéré que ce n'était pas vrai, Nate est tombé droit dans le panneau. Et d'un geste un peu classe, hein, il a mis, on va dire, en déroute le chef des pirates. Mais du coup le bateau se trouve en train de couler. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué, vous allez voir, puisque on va être aux prises avec plusieurs ennemis, dont des ennemis avec les casques. Et vous savez très bien que ils sont vraiment casse-bonbons, hein. Donc là, il y en a un. Voilà, déjà toi, tu te barres. Reprendre notre oh là là, mais c'est un truc de ouf, mais il récupère pas assez vite de la vie. Non mais c'est mal fait. Meurs. Allez, faut mourir. Voilà. Faut apprendre à mourir, s'il vous plaît. Ah, ok. Donc toi... Quoi ? Les gars, mais arrêtez, mais d'où vous venez, vous? Le bateau va couler, je vous signale! Quoi? Non, mais arrête tes conneries! Oh oui. Oh, si je peux te faire corps à corps, vas-y. Munitions, merci. Allez, meurs. Quoi? Mais putain, sérieusement, tu viens d'où? Mais tu viens d'où, bordel de cul, là? Putain! Non, mais il faut arrêter, ils viennent de derrière. Non, mais sérieusement. Nous, ouais, faut pas qu'on perde. Non. Faut pas qu'on perde de temps. Ah non, mais c'est chiant, il vient de derrière. Non, mais on fait tout pour être en sécurité, mais non. Faut que je sorte d'ici. Non, mais au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Et comme je le disais, hein, je suis de moins en moins patient, mais là en ce moment c'est ouf. Hein. J'ai aucune patience en ce moment. C'est pour ça que je rage. Hein. Mais c'est parce que aussi des fois, mais faut vraiment, mais vraiment qu'ils arrêtent. C'est trop abusé. Ça va trop dans la surenchère et des fois bah, c'est pas bon. C'est pas un bon truc. Bon, Nate, t'es gentil, tu... Hein? Putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez. Donc là, le bateau, il s'est mis de côté. On va devoir... Voilà, on va devoir passer tous les embranchements. Sauf qu'évidemment, bah, là, l'eau va être notre ennemi, en fait, hein.
Ah putain. Maintenant c'est sur cette celle-là, ok. Non, normalement c'est géré de façon à ce qu'on ait assez, enfin juste assez de comment je veux dire de d'oxygène. Ouh. Pour pour faire les passages. Allez, vas-y mon gars, tu peux le faire. Évidemment, c'était pas par là qu'il fallait aller. C'est mal foutu. Non mais sérieux, faut aller où? Est-ce que vous voyez une... un autre truc, vous? Voilà, on peut pas repasser en arrière, donc c'est où faut aller? Je comprends pas. Mais d'accord, Ah putain, ouais. Non mais il faut les voir ces trucs-là aussi, sérieusement. Putain, ok, non mais c'est bien ce que on voit. C'est par où, le haut? On voit absolument rien. Alors, c'est fait exprès, évidemment. Bien entendu, hein, c'est fait exprès, c'est pour dérouter le joueur, hein, pas de soucis. Donc là, c'est clairement pas par là. Voilà. On va là, on prend un peu d'élan. Ok. Évidemment. On nous montre que c'est en face, mais c'est pas en face, hein. C'est... il fallait se retourner. Voilà. Non mais c'est ces trucs là que je dis, c'est vraiment mal fichu. Donc bah le bateau là il est pas en très très bon état. Donc là on voit hein, la salle principale, hein, là où on était avec le gros lustre. Voilà, on passe de l'autre côté, impeccable. Ok. Bah, on utilise l'ascenseur. Oups. Ah. Non, non, non. Et on n'a rien pour s'accrocher, évidemment. Hein. Ah. Et oui. Bah, évidemment. Ça peut pas vraiment empirer. Ouais, ça peut pas vraiment empirer, t'es sûr? Il faut aller où? Putain, faut aller où? Sérieux? Non, mais sérieux, faut aller où? Non mais le jeu ne veut rien en... Non, non. Ouais, mais... C'est pas... C'est... Je vous assure, ce n'est... Ce n'est absolument pas forcément logique. Hein. D'accord. Alors, pourquoi il veut pas se tourner? Il faut que j'atteigne quoi là? T'es sérieux? C'est le piano, il faut que j'atteigne? Non, là ça veut pas. Parce que on est d'accord, c'est pas par là. C'est en ça que je vous dis que, franchement, hein, ce n'est pas du tout logique. Ça peut pas vraiment empirer. Non, non. Puis il y a ça qui s'ouvre, donc logiquement,
Logiquement, on devrait aller dessus, mais il ne veut pas y aller. Et là, c'est ouvert. Ah, attendez. Ah non, parce que regardez, là, on dirait qu'il se balance pas assez. Ah non. Non, mais on va perdre du temps, les amis, je vous le dis, on va perdre du temps. Pas vraiment empiré. Indice, ok, il y a une corde, super, ça on le sait. Et après. Non, mais galérer pour un passage de mort comme ça, alors que, au final, quand on va passer, on va dire, bah ouais, c'est simple. Mais non, je vous jure que ce n'est pas du tout simple. À aucun moment, c'est simple. On peut pas monter à la corde, on peut pas juste faire ça. Et voici, au final. Mais non, mais vous voyez à quel point c'est vraiment merdique en fait. Le jeu vous met sur une corde. Le but d'une corde, c'est de se balancer dans ce jeu. De cet aquarium. Franchement, c'est... Parce que le jeu, niveau scénario, tout ça, c'est bien, hein, mais c'est en ça que même le premier Uncharted, franchement, il est meilleur que celui-là. Pourquoi? Parce que il est plus logique. C'est moins dans la surenchère. Et vous pourrez me dire, oui, c'est normal. Charmoud! Parce que bah voilà, hein, pour qu'il soit plus on attirant. En enfer, hein, bibi. Mais bon, on en reparlera à la fin du let's play, les amis. Hein, mais clairement. Ok, alors là, pourquoi je suis mort, je ne sais pas. Non, on va arrêter de s'aller. Ça tombe bien. Ça roule ? Ok. Ok, oui. Ouais, je comprends. Tu peux me rappeler si... s'il y a du neuf ? Je te laisse. Nate! Je croyais que c'était mal vu. Tais-toi. J'ai vraiment cru t'avoir perdu. Non. Tu vas bien? Est-ce que... Sully... Il est vivant. Oh, merci. Mais ils l'ont pris. Quoi? Où? Dans un convoi qui se dirige vers le désert. Il faut y aller. Wow, non. Non, c'est pas aussi simple. Ah.
Ils ont minimum 2 jours d'avance sur nous. On les rattrapera jamais. Oh. On doit essayer. Écoute. En fait, j'ai un plan. Mais on n'aura vraiment pas droit à l'erreur. Ok. Ils vont charger un avion cargo à l'aéroport pour larguer des provisions sur le convoi. Il faut qu'on soit dans l'avion. Exactement. Tu sais que ça veut dire qu'on va sauter en parachute? On l'a déjà fait. Tant bien que mal. Bon, je prendrai bien un verre d'eau et puis on pourra y aller. Non. Mon contact à l'aéroport dit que l'avion décollera pas avant l'aube. Pendant ce temps-là, essaie de dormir 1 heure ou 2. Je crois pas que ça soit une bonne idée. Allez, ça va. Il appelle s'il y a du changement. T'allais vraiment faire ça toute seule, hein? Pour Sully? Ouais. Ça me plaît. Je sais. Je sais ce que tu veux dire. Et voilà. Ok, tiens. Eh ben, j'espère ne pas avoir à m'en servir. Je sais, mais faut qu'on soit discret. S'ils nous voient entrer dans l'avion, on est mort. Eh bien, c'est ici qu'on va s'arrêter, les amis. Un seul coup. Au 16e chapitre. Donc, toujours à la recherche de Sully qui a quand même été pris, donc non pas par les pirates, mais par l'organisation. Donc ça va être une tentative de sauvetage. Hein. Donc on va devoir aller dans l'avion pour se mêler aux provisions et pouvoir rattraper le convoi qui a de l'avance sur nous. On espère que ça se passera mieux. Et on reparlera de tout ça à la fin du let's play. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis en commentaire sur, déjà, si par exemple vous les avez déjà fait le jeu, ou voilà, ou si pour vous ça vous paraît facile, mais non, Roro, t'ouvres pas assez les yeux, ou t'es trop impatient, tu vois pas les choses. Voilà, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Mais voilà, on fera un débrief façon, comme d'habitude, à la fin du let's play, pour dire les points, les bons points et les mauvais points de cet opus-là. Donc, dans l'intervalle, eh bien, n'oubliez pas le soutien, le pouce bleu, le commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez bien, pardon, les notifications. Les lives le lundi soir à partir de 8h30, 9h. Et en cette période hein, d'épidémie, etc., eh bien, il y aura quelques fois des lives en semaine, en après-midi ou en soirée. Donc, activez bien les notifications pour être au courant des lives. Et puis, n'hésitez pas également à me dire hein, s'il y a des jeux que vous voudriez me voir faire. Donc voilà, on se donne rendez-vous très très bientôt, les amis. Allez, ciao, ciao.